Vous avez trouvé le sujet de votre article? Super! Il reste une dernière étape à régler. Trouvez un titre conforme aux conventions sur les titres. Pour choisir le titre de votre article, le principe de base est simple. Il suffit de choisir le nom le plus courant qui décrit précisément le sujet de votre article. Wikipédia a par exemple un article « Johnny Hallyday » et non pas « Jean-Philippe Léo Smet », car le chanteur est davantage connu sous son nom de scène que sous son vrai nom. Le titre doit également être le plus court et le plus clair possible. Sachez enfin qu'on ne met pas d'article « le, la, les » au début des titres. On écrira donc « Seconde guerre mondiale » plutôt que « L'histoire de la Seconde guerre mondiale » pour l'intitulé de l'article sur cette période historique. Il arrive que plusieurs articles traitent de sujets différents et porte le même nom. Il est alors nécessaire d'ajouter entre parenthèses une précision qui permet de différencier chaque article de ses homonymes. Par exemple, Mercure a plusieurs sens. Sur Wikipédia, on aura donc Mercure, mythologie, qui traite du dieu de la mythologie romaine. Mercure, planète, qui traite de la première planète de notre système solaire. Mercure, chimie, qui est consacré au métal chimique, et Mercure Entreprise, qui est dédié à la chaîne d'hôtel. Vous connaissez désormais les règles de base pour nommer votre article. Il ne vous reste plus qu'à préparer les sources nécessaires pour prouver l'admissibilité de votre sujet, sources que vous devrez évidemment intégrer à l'article. Vous êtes maintenant prêt à passer à la création concrète de votre article. C'est l'objet de la prochaine séquence.